Peu de calories pour peu d'ennuis. Coucou les Wasset Tricalo, j'espère que vous allez tous bien. Donc, j'ai utilisé l'application Too Good To Go pour la première fois et j'ai pensé vous faire part de ma première expérience. Pour ceux qui ne connaissent pas l'application, c'est celui-ci. C'est une application anti-gaspillage. Les commerçants s'inscrivent et les clients créent un compte et peuvent alors bénéficier d'invendus du jour qui sont à consommer sous peu à des prix cassés. Mon panier surprise d'aujourd'hui vient de Biocoop, d'une valeur de 10 euros que j'ai payé à 3 euros. Donc je viens de récupérer mon panier Too Good To Go et voilà ce que j'ai eu. Donc, pas mal de salades, hein. Pas mal de laitue. Il y a quelques fruits. Donc, je dirais en termes de quantité, je mettrais bien un 5 sur 5 parce que c'est pas mal de produits pour 3 euros. En ce qui concerne la qualité des produits, je suis tout de même contrainte de mettre un 3 sur 5 parce que j'estime qu'on ne donne pas de produits avariés dans un panier puisque j'ai quand même payé pour ce panier. En termes de l'expérience au moment de la collecte, je donnerais un 4 sur 5. Car qu'il n'y a pas eu de sourire de la part de... Le petit sourire qui me donne envie de revenir. Je ne l'ai pas eu de la part du vendeur. Donc voilà, que pour ça, j'enlève une étoile. Voilà. Donc suite à ce panier Too Good To Go, j'ai pu me faire des pâtes crémeuses aux champignons et au chou kale. Je vous mettrai le lien vers la recette en barre de description. Plusieurs salades composées. Un bon petit jus 100% fruits. C'est tellement bon que je suis déjà à la moitié de la bouteille. Et il me reste encore des aliments pour préparer d'autres plats succulents. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous donne envie de tester l'application. À bientôt pour une prochaine vidéo.